Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.